Qu'est-ce que vous savez de cette équipe de Belfort? Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Ses forces, ses faiblesses, etc. Ben là, on les a découverts ce matin. Donc voilà, on s'attend à un match difficile, compliqué, donc comme chaque match de Coupe de France. Donc voilà, après on sait que c'est une équipe qui aime jouer. Et donc voilà, nous, de toute façon, on est avertis, on est prêts, on va tout faire pour gagner, pour aller gagner là-bas. Est-ce pas un risque d'avoir la tête un peu à Paris? Pardon? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir la tête à Paris samedi, qui est une affiche contre le PSG? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, le fait que ce soit Belfort un petit, de se dire ça va être facile, on pense aussi à Paris, ménageons-nous demain? Et nous, on n'a jamais dit que ça allait être facile. On sait que c'est des matchs comme ça, c'est des matchs compliqués. Donc voilà, nous, de toute façon, pour le moment, on se concentre sur Belfort demain. Et donc voilà, après Paris, on a le temps d'y penser. Donc voilà. Est-ce qu'on le prépare d'une manière particulière, justement, ce match qui va se jouer dans des conditions à la fois climatiques et dans un petit stade donc vous n'avez pas l'habitude? On a quand même un peu l'habitude avec le temps. On a l'habitude de jouer des matchs comme ça. On sait que souvent des équipes comme ça, ils veulent d'entrée nous mettre la pression pour marquer et pour après rester derrière. Nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on est avertis, donc on va tout faire pour pas leur laisser le temps de réfléchir, et donc voilà. Depuis quelques semaines, tu parles beaucoup de ton histoire avec Montpellier, du fait que tu as battu le record. La seule chose finalement dans laquelle vous n'avez pas été très loin depuis que tu es là, c'est la Coupe de France. Mm-hmm. Tu es en quart de finale contre Ajaccio l'année du titre. Est-ce que c'est un vrai objectif pour le club cette année, 30 ans après le titre de 90? Tu sens que le club, tout le monde est mobilisé cette année pour que Montpellier fasse un beau parcours et qu'il y ait une véritable volonté d'aller le plus loin possible? Il n'y a pas que cette année. Moi, depuis que je suis là, on a toujours voulu aller loin dans les compétitions. Malheureusement, on s'est fait éliminer souvent tôt. Donc voilà, ça fait partie de nos objectifs, d'aller le plus loin possible. Donc il faut passer par demain. Donc voilà, on va, en tout cas, comme je l'ai dit, on va tout faire pour remporter ce match. Tu as vraiment l'impression que c'est une compétition particulière dans ce club qui lui tient vraiment à cœur? Comme j'ai dit, comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est une compétition que personnellement, hein, par exemple, moi je vais gagner parce que voilà, c'est le seul trophée qui me manque. Hein? Donc voilà, mais on a envie d'aller loin, le plus loin possible. C'est un discours qu'on entendait souvent, enfin chaque année on entend évidemment la Coupe de France et Montpellier, c'est une passion particulière, mais on sentait que c'était plutôt du côté des joueurs qui avaient une baisse à un moment donné, comme s'il n'y avait pas la motivation des joueurs pour passer des tours supplémentaires sur les années passées. Est-ce que là, cette année, on a le sentiment que non, les joueurs veulent aussi aller loin? Mais moi, ça c'est votre ressenti, c'est votre avis. Mais nous, on n'a jamais choisi nos matchs. Hein. On respecte tous les équipes. Et donc voilà, parfois on prépare nos matchs comme d'habitude. Et donc parfois on passe à côté et voilà. Mais là, en tout cas, comme j'ai dit, c'est un match important. Et donc on va tout faire en tout cas pour le remporter. Le fait d'avoir joué samedi et puis de rejouer dès demain à 18h30, est-ce qu'on n'a pas eu le temps de penser finalement à cette rencontre et est-ce que c'est bien d'avoir ce délai entre les deux matchs? Ben, ça fait partie hein, de notre métier, donc de jouer tous les trois jours. Donc on ne va pas se prendre la tête. On sait que voilà, on a un effectif.
Après, ça, c'est au coach de faire des choix. Et voilà, en tout cas, l'essentiel, l'équipe qui va être sur le terrain, je pense que ça sera une équipe qui va tout faire pour gagner. Vous avez gagné deux fois l'extérieur, donc à Amiens et le tour précédent. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un déclic justement? Déclic, ben, c'est vrai qu'on a pris conscience depuis le début de la saison, avant 2020, qu'on avait du mal à gagner à l'extérieur. Et donc, je pense qu'on a corrigé un peu ce qui nous manquait à l'extérieur. Donc voilà, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de gagner deux matchs à l'extérieur. Donc il faut continuer sur cette lancée-là et pour voilà pour gagner demain.